Hello mes amis, aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode sur Battlefront Conquest. Si je dis pas de conneries, on est au quatrième épisode. On avait gagné la bataille sur Naboo, sur l'Otachi-Z et aussi la bataille spatiale. Donc ce qui nous fait 3 victoires sur 0 défaite, on va essayer maintenant d'attaquer un de leurs systèmes. Donc on va prendre le dé à 6 faces et on fait 1. Non, ça c'est magique, ça c'est magique. C'est vraiment magique, donc on va attaquer Under System, c'est super cool franchement qu'on puisse attaquer Under System. Donc par contre là ça va être un dé aussi à 6 faces. Si on fait 1, 2, 3, bon voilà c'est délimité. Et si on fait 4, 5, 6, ça repartira à partir de 1, 2, 3. Alors on va relancer le dé, hop là. 4, on se retrouve sur Geonosis. Donc ça promet une bataille épique, surtout que j'ai la bonne map, enfin j'ai plusieurs maps. Au cas où si on perd et qu'après on pourra attaquer etc. par la suite, j'ai plusieurs maps. Comme je l'avais dit au début. Donc les amis, je vous dis à tout de suite sur Battlefront 2. Ben à tout de suite. Et nous revoici après cette petite ellipse pour la grande bataille de Geonosis qui va être épique, je le pense. Il y a énormément de soldats, etc. Et en plus de ça, on est en mode conquête. Donc là, voyez que excusez-moi, voyez que le Battlefront Evolved est pris en compte, ça c'est super. Et on peut même jouer avec un Padawan Jedi. Donc je vais rappeler quelques règles. Donc si on gagne la bataille, éventuellement si on la gagne, donc on a 950 contre 950, donc ça va être assez long. Donc si on gagne la bataille, leur système est totalement détruit. Si on la perd, évidemment ils ont bien défendu leur base. Ce sera comme ça. Ensuite, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Ensuite on débloque un héros arrivé à 18 points, mais on ne peut l'utiliser qu'une seule fois. Donc faudra bien l'utiliser correctement. Donc ce qui vient dans cette map, c'est qu'on a les canonnières tabac. Enfin je crois. On a les canonnières tabac logiquement, on a aussi les STTT, on a quelques Jedi, on trouvera aussi donc Obi-Wan Kenobi, Mace Windu, sur le champ de bataille. Et ça c'est super, franchement c'est super. Bah, les canonnières tabac sont là et en plus les deux elles volent côte à côte, je sens qu'il y en a une qui va s'éclater. Donc on va entrer dans le vif du sujet, excusez-moi, on va rentrer dans le vif du sujet, excusez-moi, voilà. Et on va attaquer, donc vous voyez tout le nombre de soldats sur le terrain, c'est fou. Ça va être très rapide. Allez, allez! Donc je sais pas si vous voyez très bien. Je pense que je vais quand même augmenter la luminosité. Donc voilà, on va l'augmenter un petit peu. À 51, ce sera nickel, voilà. Parce qu'on va pas très bien sur cette map. Là, c'est trop éclairé, je trouve. Ouf. Ouais, je pense qu'en fait c'est trop éclairé. J'ai bidouillé tout ça tout à l'heure. Les contrastes. Donc plus... ouais, d'accord. On va mettre à 48, on va laisser comme ça. Je pense que c'est bon, voilà, on va pas toucher, on va laisser à 49-48. Et on va essayer de faire du mieux qu'on peut pour éliminer tout le monde. Donc là, on a 14 Padawan sur le terrain. Donc comptez qu'il y avait des Padawan ainsi que des héros déjà sur le terrain. On trouvera aussi le Comte Dooku, je crois. Par contre, ce qui est bidon un petit peu avec les Padawan, c'est qu'ils n'ont pas de pouvoir, ils ont juste leur sabre laser, la vitesse. Et donc même si c'est pas mal, je dois dire que c'est pas super. Et en plus on est en première ligne. C'est ce que je me disais, on est en première ligne. Soldat clone. Ouais, franchement je suis désolé mais j'adore jouer la classe clone. Pour moi c'est. Oui, oui chef. Je suis un petit clone, alors je vous écoute. Ah là 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 là. On descend, on descend. On descend. Waouh! Oh ce pot! Je sens que je me perturbe par un sniper. Voilà. J'en étais sûr! J'en étais sûr! C'est une map quoi, mais. Mitrailleur arc. Les soldats lourds, les tireurs. Après, non, 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 non. J'ai envie d'être en plein combat. Donc vous pouvez voir qu'il y a 86 soldats clones. Donc les soldats basiques. Il y a 86 soldats sur le terrain. Alors comptez les Padawan ainsi que tout le reste. Vous avez plus de 100 soldats chacun sur le terrain. C'est une map que je conseille énormément. Surtout qu'il y a deux versions de cette map. Donc celle-là est pas mal. L'autre aussi, je crois que c'est la deuxième. Celle-ci, c'est la deuxième. Donc on va monter dans le véhicule, nous. Voilà. On va prendre le véhicule et on va faire un petit peu tout. On va prendre les canonnières. On va essayer de récupérer les bases. Là, on est en train de perdre. Vous pouvez voir qu'on est en train de perdre. J'aime pas trop ça. On est en train de perdre. Surtout qu'on est en train d'attaquer un de leurs systèmes. J'ai pas envie de perdre. Et bon, si on perd, comme je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, ça montrera qu'il y a de la difficulté et que ça risque d'être une petite saison assez longue. Et ça, j'aime bien. Voilà, tout simplement. Donc voilà, ça, on s'occupe des gros droïdes.
T'as des grands véhicules, comme ça c'est fait. Voilà. Bon là je fais tirer dessus. Donc là on a Aira Sekura, je crois que c'est Aira Sekura. Je sais plus comment elle s'appelle. Bon je l'appelais Sekura, voilà. Vous l'avez sur le terrain à la droite là. Ouais, avec son sabre. J'ai un dernier tir, allez à l'avant que je meurs. Voilà, je descends parce qu'il va éclater bientôt. Je tiens pas à mourir. Voilà, j'ai bien fait de sortir maintenant. Et ça c'est l'une des batailles que si jamais je fais une deuxième saison mais sur les séparatistes, qu'une bataille que j'aimerais bien voir de l'autre côté. Donc éventuellement si on fait notre bataille, enfin si on fait notre saison, excusez-moi, avec les séparatistes, je pense qu'on gardera les mêmes planètes. Sauf qu'on verra tout ça du côté des séparatistes. Ça peut être assez intéressant. Vous voyez, il y a les mêmes des octopodes, c'est pas mal. Enfin, je les appelle les araignées, moi. Il y a même les géonosiens, un truc du genre. Enfin, je les appelle comme ça, moi. En plus, ils bougent pas. Alors, je pense qu'il y a... Oh là là, ils se retournent vers moi, ils se retournent vers moi. Je vais le tuer, allez. Oh, bah, c'est même pas moi qui l'ai eu. Ah, il est où? Ah, il m'a eu. Il m'a eu d'en haut, je parie. Non, même pas. On va prendre une canonnière tabac, s'il y en a une. Non, il n'y en a pas. Tout ça. Enfin, je sais pas s'il y en a, en fait. Ouh! C'est quoi ce rassemblement? On va prendre une canonnière tabac et on va essayer de les faire venir. Je pense que c'est un bug de la map. Alors, je crois que c'est F4. F3. Ah, non, c'est F4. Non, c'est F4. Non, ça c'est pour changer de... J'aimerais bien que... Ah d'accord, bon, en fait, c'est mauvais signe. Les canières tabac sont pas vraiment pris en compte dans la bataille. Oh, juste avant que j'atterrisse. Excusez-moi si je vous écris dans le micro, je vais le repousser un petit peu. Ah, je sens qu'on va perdre cette bataille. Elle a l'air un petit peu buggée. Au niveau des unités là-bas au fond. J'aime pas trop ça. J'aime pas trop ça. Je t'ai vu toi. Hein. Je t'ai vu. Hein. Oh. Oh mon dieu. Oh ce roquette parfait quoi. Ce tir parfait. Oh mon dieu. J'ai vraiment pété un plomb. Oui j'adore dire oh mon dieu. Ça me donne un petit côté style. Là-bas je sais qu'il y a voilà, une base ennemie. On va essayer d'avancer. Est-ce que ici ils ont des vaisseaux? Parce que je vois pas s'ils ont des vaisseaux aussi. Un stop. Voilà, je l'ai eu. Bon, on va y aller à pied, hein. Ça va être plus rapide. Je demandais à un gars de me suivre. Tout voilà. Voilà. Là ça marche, vous voyez, quand j'étais dans la canonnière, ça marche pas. Je pense que c'est parce que la map prend pas en compte les canonnières, c'est un petit peu dommage. Donc ouais, il y a des petits peu. Voilà. Ah, Anakin Skywalker, voilà, vous voyez. Ouf, faut l'habiter de justesse. On va se cacher. On va faire voilà, un petit peu à la première personne. Regardez-moi ce... Je trouve que c'est super. Franchement, les couleurs là. Ouh là là. Oh, il y a un octopode juste derrière. Oh, les snipers. Oh, je déteste vraiment ça. En plus, il m'a tiré de super loin. Et on peut pas aller spawn là-bas. Là. Ça m'énerve. Ça m'énerve. On va voir s'il y a un véhicule. Voilà, on va prendre un véhicule comme ça. On est sûr comme ça de rentrer. Voilà, il ne reste plus que 200 points, vous voyez que c'est super rapide, je pense que la map va durer 10 voire 15 minutes, pas plus. Et tout simplement, voilà. Non, tu mets pas devant, tu mets pas devant. Ah mais voilà, détruit. Ouh là là, manipulité de fou. On va essayer directement d'aller dans leur poste. Voilà, vous voyez. Hop, on sort. Oh là là, il y a un droïde qui est dedans. Oh la misère. La misère. Et ouais. C'était vraiment chaud, je dois dire, c'est super chaud. Bon, si on perd, c'est pas très grave. Hein. On aura notre revanche plus tard. Mais si on gagne, c'est tant mieux. Enfin, moi, je prends tout, quoi, voilà. En ce moment, je suis attiré par pas mal de jeux, mais vraiment... Je raconte un petit peu ma vie, hein.
Il y a pas mal de jeux qui m'intéressent, des vieux jeux. Je vais bientôt avoir Overlord 2. Pas bientôt. Enfin, je pense que je devrais l'acheter dans pas longtemps. Rage. Que j'ai depuis longtemps mais que j'ai pas pu tester en fait. C'est idiot mais en fait avec tous les jeux, avec les sorties de tous les jeux que j'ai pu avoir, je l'ai acheté en même temps qu'Assassin's Creed 4 et j'y ai pas joué encore. Et en fait vu qu'en ce moment je suis un petit peu dans tout ça etc, je garde ça pour la suite et je compte en faire un let's play donc je vous en parle maintenant comme ça c'est fait. Allez mais qu'est-ce qui se passe? T'as là je dois recréer au corps à corps là c'était fini quoi. T'as 67, 65, 130 quoi. Oh j'aimerais bien avoir mon Jedi. Ah non en fait je crois qu'il n'y a pas de Jedi, je déverrouille pas de Jedi sur cette map. C'est un petit peu dommage. Voilà donc en fait on choisit soit un Padawan soit... Enfin c'est dommage voilà. Genre je suis le seul clone à aller au combat. C'est plutôt marrant. Vous voyez ça se fait vide maintenant, il n'y a plus trop de clones, c'est calme. Malgré qu'il y a encore un droïde DK à l'intérieur. Qu'est-ce que je disais? Je l'avais entendu. Mauvaise. Oh mon dieu. Ah plus de grenade, à plus de grenade. Voilà. On récupère ça. Ce qui nous donne de la full life et... Donc là j'essaie de la jouer stratégique évidemment, j'essaie de récupérer les postes. Voilà bon, pour l'instant ça va, ça marche. J'essaie de jouer les postes. Plus on a de postes, mieux c'est. Pas que je meurs maintenant. Hein. Ouh là là. Donc il est mort. Là je crois qu'il est... Oh! Il y a encore pas mal d'ennemis autour. Hein. Oh là là, ils sont trop nombreux. Oh là là. Oh, stop. Et ouais, là, je voulais envoyer genre, donner un coup de cut, là. En tout cas, pour l'instant, ça va, je me démerde bien. C'est pas trop mal. Moi, tout seul, j'arrive à gagner, à récupérer ce coin ici. Et vous voyez que voilà, maintenant, on est à 31-47, alors qu'on avait quand même pas mal de points de différence. Et bon, même si c'est moi qui fais toute la différence. Hein. Oh, comme il m'a eu. Je pense pas qu'il aime avoir. Donc voilà, pour l'instant, on maîtrise tous les postes. Voilà, là, il essaie de récupérer le poste. C'est pas très bon. Là, il doit avoir un autre. J'en ai vu un autre. Il est où? Ah non, j'ai dû rêver. Ah si, voilà, bah, c'est lui. Pas. Je savais très bien qu'elle est là. Donc vous voyez, il restait encore des soldats sur le terrain, évidemment. C'est plutôt pas mal. J'aime bien parce qu'on voit la progression. Que... Enfin, la progression un petit peu... Oh là là! Alerte intrusion? Il est où? Il est où? C'est lui là. Viens ici toi. Je t'ai vu, hein, je t'avais vu. Protecteur Jedi, vous voyez, il y a plusieurs catégories de Jedi. C'est plutôt pas mal ça aussi. Ben, c'est une bonne map, c'est une bonne map si vous jamais voulez faire de grosses batailles, etc. Là par exemple, j'ai augmenté les renforts à 180, 190, excusez-moi. Imaginez si je mets à 500. Si je mets à 500, on se retrouve avec 2000, 2000 voilà, vous en avez pour plus d'une demi-heure de bataille. Franchement, vous allez prouver, voilà, vous pouvez vraiment profiter à fond, quoi. Ils ont récupéré le poste? Non, pas encore, mais c'est vraiment... Ça, c'est un poste stratégique, c'est vraiment le poste qui fait toute la différence. Voilà, là, on sort. Toi, jeter. Allez. Mm-mm-mm-mm. 23, 27, il n'y a plus tellement de différence. Là, je suis en train de chercher. Oh non, il va encore m'avoir, il va encore m'avoir. Voilà. Ils
petite résistance de la part de nos ennemis sur ce point-là. Voilà, plus de résistance. Moi je voulais avoir l'octopode là-bas, donc on va aller l'avoir. Hop là. Malgré qu'il n'y ait personne, voilà, c'est pour ça que je veux le détruire, parce que même s'il n'y a personne, ça reste quand même un atout majeur pour l'ennemi. Et vous voyez qu'on est en train de gagner. Il y a eu un grand revirement de situation. Si l'ennemi était beaucoup plus... enfin... s'ils étaient beaucoup plus stratégiques, je pense qu'on n'aurait pas gagné. Enfin, en plus, le fait est qu'on récupère le poste devant moi, le 2. Enfin, c'est même pas moi qui l'ai récupéré, c'est nos alliés. Voilà, ça nous apporte encore plus de... beaucoup plus d'avantages. Et 20, je pense. Bon, là on a encore, c'est pas sûr qu'on gagne encore, mais il y a des chances. Sur cette planète, les ennemis ont gravement l'avantage parce que les géonosiens, excusez-moi, ils sont pas comptés dans les tickets, dans les renforts ennemis, ils sont pas comptés. Vous voyez, j'ai beau en tuer un, ça compte pas. C'est ça qui est bien, c'est que voilà, il y a ça, son petit charme en fait, son petit avantage. Là j'ai vu qu'il y avait un droïde, je l'ai vu. Oula, je me suis cogné. J'ai vu une... ouais. Ouf, il a explosé. Est-ce que tu peux venir avec moi, sale dalle? Je fouille un petit peu pour voir s'il y a des ennemis. Là. Non, c'est un canon particule qui a été détruit. Ça va, pour l'instant il n'y a pas... C'est juste les géonosiens qui m'emmerdent un peu, étant donné que ils meurent pas, enfin ils sont illimités quoi, ils arrivent illimités, ils ont des renforts illimités. Ben c'est... Il y en a un qui vole ou quoi? Voilà, il était là. Ben c'est un peu gênant. Donc le champ de bataille reste quand même assez compliqué. Même de ce côté là on a des... on a nos véhicules quoi. Tu veux monter avec moi? Voilà. On va s'occuper de ça d'abord. Boum. Voilà, même le trait bleu, enfin vous voyez que le laser il est mieux fait. Enfin voilà, ça c'est bon, je trouve ça mieux. Voilà. Ah ah ah. Toi tu vas pas fuir. Maintenant il faut retrouver le reste des ennemis. Vous voyez qu'ils sont assez nombreux quand même. Hein. C'est un putain de bordel. Un Jedi qui vient vers nous aider. Hop. Alors, où sont les derniers? Voilà, même Kiadimundi est là, vous voyez, c'est vraiment super. Là, on retrouve d'autres Jedi, donc là, il y a un Jedi qui vient de se faire tuer. Vous voyez que les Géonosiens sont super nombreux, regardez-moi ça. Ils sont partout. Là, voilà, il faut qu'on détruise ça. Ça c'est super dangereux. Il y en a deux en plus, il y en a deux. Voilà, un en moins. Deux en moins. Alors je sais pas si les octopodes... Oh là là. Oh, c'est le prévu le laser. Oh là là, il a dû avoir mal. Hein. Bon, il est mort hein, en même temps, mais bon. Le problème c'est que là, je sais pas si c'est les... si ce sont les géonosiens qui contrôlent les octopodes. Si c'est le cas, on est un peu dans la merde. Ils se mettent les uns devant les autres, on peut pas les détruire. Et si ça continue, c'est moi qui vais me faire tuer. Boum. Ah non. Ah si, ben il y a certains... C'est pas tout le temps des... Ouais, il y a certains trucs, c'est des octopodes. Enfin, il y a certains véhicules qui sont habités par les géonosiens et d'autres par les droïdes. Le problème, c'est que là, ils sont 5. On est plus que 3. Oh là là. Ah, ça sent la perte, hein, je suis désolé, mais vous voyez, c'est ça le problème, c'est que les géonosiens sont tellement nombreux qu'on peut absolument rien faire. Et on trouve même plus les... Ah, là, il y en a un. Ah non, c'était un géonosien. Ah non, c'était un droïde. Boum.
Ah non, c'est vraiment que des Jonesiens. Je sais pas du tout où ils sont, ça m'emmerde un peu. J'en ai plus que... Oh, plus que deux de renfort. Ça sent la... Voilà. Ça s'est retourné contre nous. Mais c'est aussi les derniers droïdes qui se cachent. Attendez, il y a Rocket qui est parti là. Parti sur qui? Oh. Bon, je sens qu'on va perdre. C'est pas très grave. Au moins on a de la difficulté, voilà, c'est... Un grand retournement de situation qui m'a assez surpris, je dois dire. Vraiment assez surpris. Là, il y en a un. Ils sont plusieurs, là. Je sais qu'il y a des ennemis, mais je les vois pas où. Ils sont pas là? Ah! Ah mon dieu! Ah ben voilà. Bon, c'était une grande surprise pour moi de voir qu'on s'est fait rejeter de la planète. Bon, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, ça m'a très plu. Moi, ça m'a énormément plu de voir ce retournement de situation et qu'on a perdu. En tout cas, je vous souhaite une bonne continuation et je vous dis à la prochaine. Bye bye.